Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia, Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Korabas shendelelebo santaramama. Mandolobo santarianelebo ribaba baba. Jéhovah est son nom, le vaillant guerrier, le Dieu des dieux, l'Éternel des armées qui se tient devant nous. Nous bénissons ton nom ce matin, Makaraba Santaria Baba. Mandolobobobobo. Quand je vois ce que tu as fait, mon Jésus, j'ai la joie, la paix dans mon cœur. Quand je vois ce que tu as fait, je t'adore, je veux te louer, ma carrière de bobo. Lelelelebo, ye mo senderia. Mandelebo, ye mo kosokoriande. Marabababa. Yendelele, ye mo kosonoria. Mandere, ye ma kosoria. Alléluia. Quand je vois ce que tu as fait dans ma vie, j'ai la paix, la vie dans mes os. Alléluia. Quand je vois, Jésus, ce que tu as fait, je t'adore, je veux te louer. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon roi et mon Dieu. Je t'adore, je t'adore, je veux te louer ce matin. Et quand je vois ce que tu as fait dans nos familles, j'ai la paix, la vie pour te louer. Alléluia. Et quand je vois ce que tu as fait, Alpha Omega, je t'adore, je veux te louer. Alléluia. Banderebo, adore-le. Adorons le Seigneur, alléluia. Adorons, adorons l'Alpha et l'Oméga, Makaraba Shandari Baba. Kandolobo, Shenterebo, Ribaba Baba, Shenderebebebe, Makorobo Sakaria, Reketerebo, Shantarama, Koriandelebe, Ribaba Baba Baba, Shenderebebebe, Rakorobo Bobo, Shenderebebe, Ribakaraba Baba Baba, Manderebo, Shandaraba Baba, Manderebo, Shandaraba, Shenteriandelebo, Hallelujah. Sois glorifié pour ce merveilleux jour. Sois exalté, notre Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour nos familles. Merci pour nos nations. Merci pour nos églises. Merci pour la vie des serviteurs, des servants de Dieu. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'aimons et nous te célébrons ce matin. Reçois la louange. Reçois l'adoration, Papa, dans les cieux, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Shalom à vous ce matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons prier en regardant la parole de Dieu. Parce que nos prières, c'est dans cette parole. Alléluia. Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, 23, à partir du verset 12, 13 et 14. Et ma chaîne télé-bobo, Satan, tu as chaud ce matin.
Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Vous avez écouté, hein? L'ennemi s'abstient de manger, de boire. Pendant que toi, tu es en train de manger et de boire, alléluia, lui dit qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas boire, jusqu'à ce qu'il te voit détruit, tué Paul. Il dit, ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40 personnes. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils disent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Ils ont décidé, ils sont partis voir des témoins, ils ont déclaré leur décision à ces témoins-là. Les activités démoniaques, les complots dans les lieux secrets. Ce matin, nous allons venir contre toute forme de complot. Dans nos familles, dans les lieux secrets, le complot des sorciers, des sorcières, les hôtels maléfiques que l'ennemi dans nos familles active tous les jours en complotant pour nous voir échouer, en complotant pour nous voir dans la stagnation. Tu fais 10 pas devant, tu vas faire 100 pas en arrière. En ce jour, nous refusons ces choses par la puissance de la résurrection de Christ. Tu vas déclarer ce matin, Père, tout complot de l'ennemi, toute conspiration de l'ennemi contre ma vie, contre mon progrès, contre mon avancement, contre la vie de mes enfants, contre mon travail, contre ma santé, mes finances. Oh papa, ce matin, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis. Quiconque, Seigneur mon Dieu, quiconque, papa, dans le monde des ténèbres, oh Seigneur, toute entité, papa, qui s'est concertée pour comploter contre ma vie. Père, ils ont comploté contre la vie de Paul. Ils ont dit qu'ils ne vont pas manger ni boire tant qu'ils ne vont pas voir Paul tué. Papa, quiconque a fait ce décret, je me tiens ce matin dans le sang de l'agneau. Je décrète un autre décret. Ce décret, je le décrète que le décret est anéanti au nom de Jésus. Le décret, Seigneur mon Dieu, de mort qu'ils ont programmé, la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, la mort, Seigneur mon Dieu, de toutes ses formes, je les détruis ce matin au nom de Jésus. Toute conspiration du monde des ténèbres concernant ma vie, concernant mon ministère, concernant la vie de mon époux, concernant la vie de mes enfants, oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je les détruis au nom puissant de Jésus. Les complots maléfiques sont anéantis par la puissance du sang de Jésus. Je détruis les complots. Toute activité démoniaque, les concertations démoniaques, je détruis leurs concertations au nom de Jésus. Je détruis, papa, dans le nom de Jésus-Christ, je les détruis dans le nom de Jésus. La Bible dit que Simon le sorcier a pris toute une nation en otage dans la sorcellerie. Il manipulait, il avait une activité, toute activité démoniaque. Seigneur, dans ma famille, je l'anéantis en ce jour. Toute activité démoniaque dans mon quartier, là où j'habite, je détruis les activités démoniaques. Toute activité démoniaque au sein de mon église est détruite en ce jour. La sorcellerie dans l'église est brisée par la puissance du sang de Jésus. La sorcellerie dans les différents départements des églises, cela est détruit en ce jour. La sorcellerie dans ma famille, je t'anéantis par le feu. Je t'anéantis par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es détruit à jamais au nom de Jésus. Tu es détruit. Activités démoniaques dans nos nations, les activités démoniaques dans les différents carrefours, nous t'anéantissons en ce jour. Toute activité démoniaque opérant dans mon quartier, dans le grand là où je vis, dans mon lieu de travail, les activités démoniaques, je les détruis en ce jour. Toute activité démoniaque dans les différentes écoles de nos enfants, dans les universités, nous détruisons les activités démoniaques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons au nom de Jésus. Ils ont comploté. La Bible dit qu'ils ont comploté. Oui, ils se sont rassemblés. Certes, mais tout rassemblement qui ne vient pas de Dieu est disloqué en ce jour. Tout rassemblement dans ma famille, rassemblement dans les lieux secrets, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, oh, dans la nation, tout
tout rassemblement, que ce soit dans la mer, que dans les rivières, dans les vallées, sur les montagnes, dans les collines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, dans les grottes, papa, j'envoie le feu des détruits ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Activité démoniaque dans les églises, toute activité démoniaque opérant dans les églises, autour des maisons de l'église, au nom de Jésus, nous t'anéantissons en ce jour. Nous t'anéantissons par la puissance du sang de Jésus. Nous brisons la puissance de la sorcellerie, de la magie noire, la magie blanche. Tu es brisé au nom de Jésus. Les incantations qui se font dans le secret, nous envoyons le feu vous détruire au nom de Jésus. Quiconque, Seigneur mon Dieu, quelle que soit la personne, toute personnalité, entité spirituelle, quel que soit le nom qu'il peut porter, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. La Bible dans le livre de Philippiens, que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tous genoux dans les cieux sur la terre vont fléchir, même sous la terre. Tu ne peux pas retenir ma vie, tu ne peux pas retenir la vie de mes enfants dans la manipulation, les activités démoniaques opérant dans la vie de nos enfants. Tu es détruit ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci roi des rois. Merci notre Dieu et notre roi. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Nous te bénissons. Quiconque a comploté, quiconque est en train de comploter, de se concerter pour faire des complots, tout complot, Seigneur mon Dieu, est détruit. Les conspirations sont brisées. Nous brisons les conspirations. Nous brisons les conspirations. Nous brisons les complots. Au nom de Jésus, venant du monde des ténèbres, les complots projetés sont détruits par la puissance du Saint-Esprit. Les complots projetés sont détruits par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu dans leur lieu de rencontre. Le feu. La Bible dit qu'ils sont concertés. Ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes de ne pas manger ni boire. C'est-à-dire, quiconque a fait ce vœu, qui ne mangera pas, il ne boira pas, tant qu'il ne me va pas détruire. Seigneur mon Dieu, je retourne la parole contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne me verra pas détruire. Mais cette parole s'accomplira dans leur propre vie, dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que l'Éternel combattra mes ennemis dans le livre d'Ésaïe 49. L'Éternel combattra mes ennemis au nom de Jésus. Quiconque veut toucher à ma chair, à la chair de mes enfants en cette saison, papa, je déclare qu'ils mangeront leur propre chair. Quiconque veut boire le sang de mes enfants, mon sang, le sang de mon mari, je déclare qu'ils boiront leur propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'irons pas à la place de quelqu'un en cette journée, ni en cette semaine, ni en ce mois. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu est sur notre vie. Cette main demeurera et restera sur nous au nom de Jésus. La main puissante qui s'est manifestée en Égypte, cette main est sur nous. Nous le déclarons au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous donnons à toi. Puissant de Dieu, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Toi qui connais toutes choses, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Papa, ce matin, nous prions pour une visitation divine dans nos familles. Une visitation divine. Papa, visite nos familles. Les hôtels cachés dans le secret qui ne te glorifient pas, que ces hôtels soient exposés à la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Les incantations qui se font dans le secret, nous les détruisons par le feu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous nous recouvrons du sang de Jésus. Toutes nos activités à l'aller comme au retour sont trempées dans le sang de l'agneau. Nous déclarons que nous sommes victorieux et victorieuses en cette journée. Nous allons sortir dans la joie et nous retournerons dans la joie. Nous allons sortir dans la paix et retourner dans la paix. Nos activités sont bénies ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et élevé dans le puissant et précieux nom de Jésus. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Shalom à vous. À nous revoir demain matin sur la même plateforme. Au nom de Jésus. Amen.